Ah, comme ça fait plaisir de revoir Redfest, là, putain. Bon, là, je vais aller vite chez moi. Je vais aller voir ce qui s'est passé avec Alexandra, là. Oh, je me suis trompé, c'est ici. Je vais voir ce qui s'est passé avec Alexandra. J'espère qu'elle va bien, que tout s'est bien passé. Je me fais des soucis. Je me fais vraiment des soucis. Putain, on a réussi, quand même. Putain, il pleut. Quel temps de merde. Alexandra? Ça va bien? Salut David, ah. Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Putain, je me faisais des soucis, alors tout s'est bien se passé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils m'ont gardé à l'hôpital parce que j'étais pas bien et ils pensaient que j'ai eu quelque chose de grave, mais en fait, pas du tout. J'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Tu vas bientôt être papa. Non! Je suis enceinte, tu vas bientôt être papa. C'est pas possible, ben, non. T'es sérieuse? Si. Oh oui, putain, je suis trop content. Alors, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Ben pour l'instant ils peuvent pas me le dire, il faut attendre. Ça va être un garçon, je te dis. Moi ça va être un garçon. Ça va être un petit flash. Je sais pas. Ah, moi si. Je voudrais une petite fille. Non, un garçon, j'ai besoin de main d'œuvre là, tu vois, j'ai besoin de la relève. Oh putain, mais je suis trop content, je t'aime, putain. Alexandra, je m'attendais du tout pas à moi ça. Moi aussi. Moi j'espère que c'est une petite fille. Non, ça sera un garçon, t'inquiète pas. Je le sens bien. Oh putain, je suis trop content là. Reviens, oula. Oh là là. Oh bah alors, David. Ouais, je suis et trop content. Et en fait, je voulais savoir comment ça s'est passé alors pour Ray. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. Ray est libéré. Il est. Voilà, super. On a réussi, on a tout fait. Alexandra, je suis bon, tu nous as manqué, mais bon, t'inquiète pas, on a trouvé des solutions. Tu sais. Ouais, mais j'étais pas bien, je suis désolée. Mais je comprends, mais voilà, c'est normal, t'es enceinte, maintenant il faudra que je prenne soin de toi. D'ailleurs, vas-y, on va annoncer la nouvelle à tout le monde, j'envoie un message à toutes les potes là. Ouais, si tu veux. Vas-y, j'envoie un message comme tu veux. Vas-y. Allez, c'est bon. Ah, je suis trop excité, je suis trop content, je suis heureux là. Mais en fait, moi je réalise pas. Mais moi aussi, c'est un truc de malade. Vas-y, j'ai une voiture ici, vas-y, on y va. C'est pour ça que j'étais pas bien en fait. Putain, les Sandra, c'est pour ça que j'étais pas bien. Mais tout ce qu'on t'a fait faire, sauter en parachute et tout là, et alors que t'étais enceinte, putain, mais c'est... Non. Oh on là m'a dit là que là ça là. Risquait rien, donc... tout va bien, voilà. Ouais, d'accord. Bon, vas-y, bah, gigo, hein, on y va vite, ils sont déjà au tequila là, j'ai hâte là. Ouais, moi aussi. Je sais pas à quel point là, j'ai hâte d'annoncer ça aux autres là. Je vais avoir un petit fils. Ça serait un garçon, moi je te dis. Toi, absolument un garçon. Mais après, moi, je veux la fille. Mais après, que ce soit une fille ou un garçon, voilà. Je suis quand même heureux. C'est pareil, on s'en fout. Bon, allez. Ah, ils sont là. Ouais, comment ça va, les gars? Et regardez, Alexandra est revenu. Salut Ray. Ça va mieux? Salut. Bah, ça va. Bah écoute, Ray, je te présente Alexandra, ma femme. Et à bonjour madame. Alexandra, je te présente Redfest. Bon, oui, enchanté. On t'a déjà parlé de Redfest, voilà, tu l'as déjà entendu parler, mais voilà, c'est... Oui. Mais attends, mais Ray, pourquoi t'es en costume très, comme ça? Très qu'est-ce élégant, se passe Ray. Oui. Bon, écoute, David, je viens de le dire aux deux copains, je vais te le dire à toi et puis à ta chérie. Je disais, tu sais, avant ma prison, ils ont rencontré une femme, en fait. Ah. Et, ouais, voilà. Et donc, du coup, elle commençait à me plaire, et puis après, on s'est écrit. Et depuis que je suis sorti, je l'ai revu et ça y est, je crois que Ray tombe amoureux là. Tu l'as écrit en prison c'est tu... trop beau. Ah d'accord et tout. Ah ben je suis content pour toi. Voilà. Ouais, merci. Franchement, je suis content pour toi, Ray. Franchement. Mais moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Toi, qu'est-ce que tu voulais nous dire là? C'était quoi? Ouais, tu nous as une bonne nouvelle là. C'est quoi la bonne nouvelle? Bah alors. C'est quoi la bonne nouvelle? T'as du fric là? T'as un truc à attends, écoute. Ouais, c'est ça direct. Attends, écoute. Tout de suite. Alors, préparez-vous. Alors, vous savez, Alexandra, elle était pas bien en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Ben, je vais être papa, les gars! Quoi? Oh non! Eh, imaginez dans le gang du bal! Ouais! Imaginez, c'est ça! Attendez, là! Ah, je suis trop content, là! C'est pour ça qu'elle était pas bien, tu vois! Ouais, vous savez quoi, hein? Non mais moi après cette nouvelle je préfère repartir en prison. Allez salut à plus. Bravo.
Mais non, non, écoutez les gars, hey, si c'est un gars, ah, il va tout de suite rejoindre le gang Dubaï, il va prendre la relève les gars, c'est la relève. Eh non, mais moi je veux, et comme j'ai dit à David, je veux une fille. Il va falloir faire attention à toi. Non, tu commences pas, parce que une fille qui suffit déjà. Je veux pas de fille, moi. Ça suffit, pas deux. Eh, je vous laisse parler du jeu. Guy, j'ai besoin de te parler. Je vous laisse parler, faire connaissance du jeu. J'ai juste un truc à dire. Ouais. Vas-y, viens, Guy. Vas-y, chérie. Et du coup, Alexandre, tu vas oui. pouvoir faire. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon poteau? Ouais, tu sais, je préfère te le dire avant et plutôt te demander des conseils. Alors, voilà, ben. Quoi? Je pense que c'est le bon moment, quoi, pour demander. En mariage, Alexandra. Non. Oui, tu te lances. Ah, c'est définitif alors. J'ai envie de lâche tout ce tu là, tu vois. Elle va avoir un enfant. Ben, je pense que. Tu vois, on était avec depuis tout ce temps-là, mais j'avais pas assez d'argent pour organiser mon mariage. Qu'est-ce que t'as envie? Même là, j'ai pas assez d'argent, mais bon, c'est pas grave. Je sens bien. Mais voilà, toi, tu penses quoi? C'est là, j'ai envie de la dire là tout de suite devant vous, la demander en mariage. Ah là, maintenant là. Ouais, le faire la demande au moins, et après on organise tout ça, je compte sur vous, quoi. Ah, tu sais quoi, je vais te mettre, je vais aller en haut, là, je vais essayer de passer une petite musique, là. Là, tu... Ouais, mais t'inquiète, hein. Passer une petite musique et tu déclares son... Putain, tu m'impressionnes, là. Non, mais toi, t'en penses quoi? Eh, franchement, c'est le moment, non? C'est le bon moment. Ah, bah oui, ouais, il est temps, hein. Vas-y. Je vais comme t'accrocher à elle, de toute façon. Ah, j'y vais. Oh putain, c'est chaud. Ah, oh, tu sais, ça se voit, hein, la ratatouille, raie des fesses, c'est la ratatouille, c'est... s'il vous plaît, j'ai une annonce. Ah, mais c'est bien, ça va devenir la raie des fesses, peut-être. Bah ouais, tu m'avais dit ce que j'y ai pensé. Ça va bien, raie des fesses et la raie des fesses. C'est ouais, marrant, imagine, et même si j'ai un fils, je l'appellerai Larry des fesses. Eh, hey, j'ai une annonce à vous faire, s'il vous plaît. Mettez-vous ici. Oui. Je vais prendre le micro. Mais il en a plein des annonces aujourd'hui, lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Eh, hey, c'est le bon moment, moi, je trouve, là. Oh, j'en parlais avec Guy. Pour les strades et tout. Alors, votre attention, s'il vous plaît. J'ai une annonce à faire. Oui. Pour l'élu de mon cœur, mon amour, Alexandra. Oula. Tu sais, ça fait... Là, ça va faire presque 3 ans qu'on est avec. Et... Hey, on est mal. On est... Attends, voilà, on est... J'ai jamais osé te... Voilà. Faire un mariage, des trucs comme ça, parce que... On n'avait pas d'argent, on avait des problèmes d'argent. Mais je me suis dit, on s'en fout de l'argent. Il faut se lancer. Et là, on va avoir un fils. Donc, je voulais te demander, Alexandra... Ou une fille. Oui, est-ce que je voulais te demander, Alexandra... Veux-tu m'épouser, Alexandra? Veux-tu m'épouser? Oh putain. Non. Tu blagues là? Alexandra, veux-tu m'épouser? Alexandra, veux-tu m'épouser, Alexandra? Mais oui, attends. Oui. Mais oui, j'accepte, David. Oh putain. T'aimes comme une folle. J'accepte. Bravo. Oh mon dieu. Que Ouais, les gars, ben voilà, je l'ai attends, fait. Attends, reste avec nous, lui, c'est tout chez lui. Ah, ça me dégoûte, voilà. Non, va se faire des bisous. Belle, Anthony. On a trop d'amour comme voilà. Ça. Voilà. Les bisous. Merci à vous tous, ben voilà, j'avais entendu. Non, bravo, félicitations. Merci, ben. Non, tu blaguais pas? Sérieux, moi j'ai dit oui parce que je t'aime, mais tu blaguais pas. Oui, tu on va. Mais je compte avec moi. Je compte. C'est vrai qu'on n'a pas d'argent, mais je compte sur mes potes là pour. Ils vont tout organiser. Je compte sur vous, hein. ouais, carrément. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Hein. ouais, d'accord. Donc le, ça c'est bien ça. Le mec il se marie, mais c'est moi qui paye pour lui en fait. Ouais. Eh, tu me dois bien ça. Tu me dois bien ça. Moi je m'occupe des putes. Oh non. Non. Là, Alexandra va pas être d'accord. Hein? Mais attends, c'est nous qui organisons, c'est nous qui organisons, à ce que je sache, donc on fait ce qu'on veut. Ouais, voilà. Ouais, mais vite, pas trop, quoi. Mais non, c'est son enterrement de vie de jeune garçon, c'est normal, faut aller voir une princesse, voyons. Voilà. Non, les gars, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, on fait ça, on se marie la semaine prochaine, ça te va? Ouais, parfait. Nickel. Alexandra, du coup...
Tu vas chercher ta robe, comment tu vas faire? Il faut, j'ai pas le droit de voir avant, tu vois, ça porte malheur. Non, il y a Angel, elle va venir me récupérer et je vais choisir ma robe avec elle. D'accord, ben les gars, vous venez avec moi, moi je vais choisir mon costume toujours, moi. Ouais, ça va. Bah écoute, ouais, Alexandra. Moi, faut que je... Oui. On se voit plus pendant une semaine, comme ça il y a un effet, tu vois. Qu'on se revoit. Ça va être dur hein, quand même une semaine sans se voir. Je vais jouer au yo-yo, t'inquiète pas, je vais jouer au yo-yo. Je vous suis. Ouais. Vous connaissez un bon petit... La voiture est derrière. Ouais. Vous savez un bon petit magasin où ça vend des bons costumes? Attends, on peut passer par là. Oui, je vous suis. Ouais, je connais une bonne boutique. A plus tard, Alexandra, je t'aime. À la semaine prochaine. Attends, deux secondes. Alex. Et celle-là, c'est joli, hein. Waouh. Magnifique. Ouais, James, il a refait... La carrosserie, le nouveau modèle, ouais, je vois ça. Bon. Ouais. On se suit alors, vu qu'il n'y a pas 4 places. Ça va, t'es content? Ah putain, c'est le plus beau jeu de ma vie là, je sais pas, voilà. Toi aussi, toi, tu commences à avoir une petite... j'imagine, ouais. Tu commences aussi à avoir une petite amoureuse là, ce qui paraît. Oh là là, ouais. Elle s'appelle comment? T'appelles Lara? Mais Lara. Je te la présenterai. Ouais, écoute, je suis en train d'essayer de voir avec elle si c'est possible qu'elle vienne, tu sais rien. Ah, si elle peut venir au mariage, ça me ferait super plaisir. Au moins, tu vas nous la présenter. Ouais, bah oui. Ok, nickel. Ouais, j'avoue. Ouais. Ah, tu m'étonnes là parce que toi, t'es jamais amoureux, toi. Là, je te vois, ça fait bizarre. Moi, je m'étonne toi même en fait, tu vois. Ouais. C'est. Ça m'est tombé dessus, ça, comme une brique. T'as vu et puis. T'as vu, c'est un truc de fou, ouais, hein. Ouais. Ouais, je te comprends, ouais. Oh. Alors, ça, bon, c'est dans ce magasin où je peux trouver des costumes? Eh, les gars, je m'y connais rien. Ouais, il est classe. Non, mais on va t'appeler. Il faut m'aider. On va t'aider. Ok, allez. Ah, vas-y, montre-nous et on te dit si c'est bien ou pas. Pas mal. Non. Un peu. Non. Oui. Ouais, t'es fou. Non, il faut que je sois... Non. Ah, c'est non. Stylé comme ça aussi. Je sais pas, je vais pas trop le blanc, moi. Comme ça, non? Là, voilà, perfecto. Ah non, perfecto. Ça, on dirait un garde du corps, comme ça. Les mariés, ils sont noirs. Hein. Bah oui, hein. Dans les mariés, moi, noirs. Mais un truc là, plus collé au corps. Y'a pas un truc plus collé au corps? Ah, t'as cru que j'allais jouer au yo-yo, quoi. Comme ça, mais plus... Après, ça va lui rentrer dans les corps. Non, moi, j'aime pas quand c'est trop collé. Ça me fait les jambes un peu bizarres. Là, c'est... Alors, Ray, tu en penses quoi? C'est bon? Ouais, ça va, c'est pas trop mal comme ça, ouais. Merci, nickel. Bah voilà, je l'ai fait. Ça choque un peu quand même de le voir comme ça. Mais toi, alors, et toi, ça choque plus, hein. Toi qui t'habillais en rose, pantalon rose, etc. Ah, si. Bah, arrêtez, je m'habille toujours bien, moi, les gars, arrêtez. Oui. Bon ben les gars, ben... Qu'est-ce qu'il a l'espagnol? Encore, moi, je suis la classe internationale, hein. Dès que je m'habille, les filles tombent par terre. Hein. Les gars, je vais juste vous demander quelque chose. Pour les invitations, j'aurais... Bah, Doumé, est-ce qu'il arrive sur son sentier? J'ai envie de louer son bateau pour faire la fête dedans, le bateau, ou s'il y a d'autres trucs pour moi. Je vais essayer de lui envoyer un petit message, je sais pas s'il est en ville, là. Les gars, bon, ben moi j'y vais. Je vais essayer de contacter Doumé, etc. pour essayer de me faire louer les... Le bateau et d'autres trucs. Ah, le yacht, ouais. Et on fait ça, le mariage. Si vous avez des amis, vous pouvez les inviter, y a pas de soucis, vous invitez qui vous voulez. Et. Ouais, si, ok. Si vous voulez. Tu t'occupes du mariage, tu t'occupes des planifications, tout ça. Ouais, après, je vous fais confiance, les gars, je compte sur vous. Hein. Pendant mon mariage, je dois rien faire, moi. Je paye rien aussi. Hein. Guy m'a dit qu'un chien jaune, je me marie, paye tout. Bah ça tu vois avec Guy, mais moi je paye pas ton mariage, amigo. Aïe. Comment tu peux faire ça? Si un jour tu te maries, c'est moi qui paye. Moi je donnerai mon maximum, t'inquiète, après je sais pas trop. Non mais je plaisante. Bon les gars, mec, Non mais je plaisante, j'y vais. On se retrouve au jour de mon mariage. Je vais aller voir avec Doumé. Pas envie de vous voir quand je vais vous changer, laissez-moi la surprise, voilà. Allez, ciao. D'accord. Adios. Adios, Ré. Par contre, fais gaffe. Oui. Fais gaffe à toi. Quand même, on sait jamais. Oui, t'inquiète. Tu sais, y a les flics qui nous courent au cul, hein, tu sais. T'inquiète. Pas discret. Allez, ciao. Bon, j'ai envoyé un message à Doumé là. Il m'a dit de le rejoindre au bar striptease. Je vais lui demander. Je vais voir s'il va bien parce que l'autre fois il nous a sauvés là.
Je vais aller voir, je vais prendre de ses nouvelles, je vais lui demander pour le bateau. Et s'il peut, voilà, nous dénicher quelque chose, voilà. Ah, comment ça va, Doumé? David, comment tu vas? Ça m'a fait plaisir de te voir. Oh putain, moi aussi, le coup, que, comment tu les as défoncés, les policiers, j'avais peur pour toi. Tout va bien, c'est bon? T'as réussi à t'en sortir? Ouais, mais le premier, il est mort, hein, figure-toi. Et le second, ah. J'ai menacé de plus jamais soigner sa famille, quoi. Ben, attends, viens boire un verre, là. Allez, putain, comme ça me fait plaisir, là. Ça me fait plaisir de te voir ici, là. Oh là là. Voilà, dis-moi tout, David. Ouais, donc. De l'autre côté aussi, je vois. Ouais, regarde, j'ai mis un petit costume, là. Je suis en train de me préparer. Bah, je t'invite, c'est pour t'inviter à mon mariage la semaine prochaine, là. Tu vois, on va bien. Avec Alexandra. Ça fait plaisir, David, là. Et avec c'est Alexandra, pas tout, mec. Ouais, c'est pas tout. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un fils. Ou une fille, oh, je sais pas. Oh, purée. Ça me fait plaisir, David. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est le bon moment. Voilà, je vais la demander en mariage. Et puis voilà. Elle a accepté tout de suite. Et du coup, je suis un peu stressé. Je suis en manque d'argent. Tu vois, j'ai réussi. Bravo, ouais, il y a les potes qui ont réussi à réserver l'observatoire pour faire la cérémonie. Mais après, j'ai pas d'endroit pour faire la réception. Et je me suis dit, bon, Doumé, c'est un gars sûr. Maintenant, franchement, t'es un gars sûr. On peut te faire confiance. Putain, là, tu nous as prouvé, t'as sacrifié. T'as voulu te sacrifier pour nous. C'est un truc de malade, quoi. Donc, je me suis dit, peut-être, faut avec lui, s'il peut me dénicher quelque chose encore. Voilà. Mais là, c'est. Là, tu disais. Non, mais avant, tu disais que c'est toi qui nous devais quelque chose. Mais là, c'est moi qui te dois quelque chose pour le coup que tu nous as fait. Franchement, merci à toi, mec. On te doit quelque chose. Ah, t'inquiète. Vous êtes mes petits maintenant, le gang Doubelle. Moi, je vous me rappelez moi quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai pas d'affection pour vous. Ah, d'accord. Ah, mais ça me fait plaisir. David. Oui. Tu vas te marier. Oui, voilà, je vais me marier. C'est ça. Ouais. Donc, le yacht, il est pour toi. Tu vas t'éclater. Je te le passe, le yacht. Il est pour toi. Non. C'est top, top plaisir. Putain, ils vont. Ouais, David. Être contents, là. Ah, ça fait plaisir, mais merci. C'est mon cadeau de mariage. Putain, merci beaucoup. Mais tu seras là, rassure-moi, tu seras là. Hein. Avec plaisir, oui. Je serai là si tu m'invites, David. Bah oui, t'es le premier à être invité. Hein. Tu fais partie des premiers, voilà quoi. Bah, écoute, ça me fait super plaisir. Je serai là, bien sûr. Tu peux inviter qui tu veux, tous tes potes que t'as confiance, invite qui tu veux, d'accord? Y'a pas de soucis. Eh mais ça marche, je viendrai avec quelques amis. C'est très gentil, en tout cas, tu sais que je serai là. Ah, merci. Bon, ben écoute, je vais pas te faire perdre plus de temps que ça. Merci à toi et. Voilà quoi. T'es un gars sûr. Je te respecte. Je te respecte. Si un jour t'as besoin de moi, si t'as besoin de moi, n'hésite surtout pas. À tout moment, n'importe quand, n'importe quelle heure, t'as besoin de moi, je suis là. Moi aussi, sache que je te respecte. Y'a pas de soucis. Le gang Doubelle. Ouais, gang Doubelle. Couillu. Ouais. Si t'as besoin de moi, je suis là. C'est bon. Bon, ben je te laisse, Doumé. On se retrouve hein, au mariage alors. Eh, mais ça marche, on se voit au mariage alors. Allez, bientôt, ciao, David. Mon pote. Merci. Je vais dormir, petite dame, moi. Ah, il a pas changé, lui. Bon, ben voilà, c'est le grand jour. Je suis sorti, y a Tommy qui va venir me chercher là. Ah là là, d'ailleurs, je vais l'envoyer un petit message là. Oh là là, je stresse là. Ah là là là, le stress total. Ça sera Guy mon témoin, donc voilà, Guy va m'accompagner, voilà, devant. Oh là là, les Tommy arrive, j'en peux plus. Ah, il est là. Oh putain. Oh non, mais où t'as déniché ça, Tommy? Salut, amigo. Oh putain, mais je croyais que t'allais venir me chercher avec une voiture normale. Oh putain, mais... Ah non, attends... Ça, c'est pour moi grand, hein. Mais Alexandra, oui, comment on va faire? Ah, oh, t'inquiète pas. Il y en a aussi une pour elle. Un guide à les chercher. Ah, je vous fais confiance, alors. Bon, ben, on y va. Alors, on y va. T'as vu comment je suis classe comme ça, ça? Ouais, t'es trop... Et ça fait bizarre de te voir comme ça. Franchement, ça me fait plaisir. Ah, t'inquiète, amigo. Oh putain, quelle voiture. Allez, vamos. Putain. Allez, je monte à l'arrière, alors. T'es mon chauffeur aujourd'hui. Ouais, oui, bien sûr, vas-y. Avec une Mercedes, putain. Oh là là. Alors, là, monsieur là, là. David, où est-ce que vous voulez aller? Mais tu le sais. La destination est déjà programmée.
Ouais, pour faire la cérémonie. Ah oui, t'as des petites coupes de champagne, t'as un écran, tu peux regarder ce que tu veux, vas-y. Ouais, merci, merci, t'inquiète pas. Ah, tu me fais plaisir là, vous me faites plaisir. On va conduire doucement quand même, hein, parce qu'on va pas l'abîmer cette voiture. Hein. Comment le prix de la location, oh là 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 là. Ouais, mec, je stresse là, tu peux pas savoir à quel point je suis stressé à mort. Ah, j'ai vu ton message, là, j'étais en train de conduire, je ne pouvais pas répondre. Oui, mais je stresse là. J'espère que tout va bien se passer, c'est un truc de fou. Ah, t'inquiète, amigo. T'es sûr? Il y aura du Moon aussi, tu crois qu'ils vont venir? Parce que j'ai envie de faire plaisir à Alexandra et tout, tu vois. Tu verras bien, la surprise. Ouais, je vous ai laissé gérer, j'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Vous mais t'as loué ça, quoi. Pas de soucis. C'est toi qui as loué la limousine? Si, c'est moi qui ai l'idée, si. Oh putain, mais ça doit coûter une fortune, combien je te dois, mec? Non, vas-y, non. T'inquiète, amigo. C'est cadeau mariage. T'inquiète pas. Eh oui, t'inquiète. Ouais, mais vous êtes sympa. Il y a toi qui fais ça. Et il y a plein de trucs. Il y a Doumé qui nous a prêté. Il m'a prêté son yacht là. Il a déjà préparé tout là-bas. Ah bon, putain, ça y est, il a vu finalement. Ouais, après la cérémonie, on va. Après la mairie, on va direct fêter ça sur le bateau, sur le yacht, tu t'imagines? Génial. Il y aura des chicas, j'espère. Il l'avait demandé la dernière fois et tout. Oh là là, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'ai le cœur qui se bat à 100 à l'heure, on est arrivé. Ah, y'a du monde. On y est. Voilà, monsieur, nous sommes arrivés à destination. Ah, il faut que j'attends mon témoin, c'est Guy mon témoin. Faut que je pars avec lui ou... Oui, bah tu... Mais non, le truc, c'est que tu te mets en place. Mon petit David, tu le sais bien. C'est d'abord dans les mariages, c'est d'abord l'homme, et ensuite la femme qui arrive. Mais tu m'accompagnes tu mettre... Oui, tu vas te mettre en place par là-bas. Je vais saluer les invités aussi. Je te voilà. Suis. Et après, il y a ta femme qui arrive. Tu la vois arriver. Vas-y. Guy. Allez, viens. Regarde comme c'est le cadre et tout. Magnifique. Ouais. Regarde ça. Oh putain, il y a du moon quand même. Ah oui, c'est léger, léger bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Doumé, ça va? Salut David. Oui, attends. Bravo, bravo. Mais je reconnais ça. Jean Ledge, c'est toi? Ouais, c'est moi, je suis super content, pour toi. Bravo, oh putain, bravo, t'es venu. Oh là là là, putain. T'es arrivé. T'es arrivé en ville, mais c'est toi qui l'as contacté, Tommy? Si. Eh, tu vas. T'es en ville là maintenant? T'es avec nous là? T'es dans cette ville maintenant? Ouais, j'habite à côté, tu vois. Ah d'accord, j'en parle après. Allez-y, monsieur, venez, s'il vous plaît. Ah. Mets-toi en place, David. Oh putain, je stresse. Elle est arrivée. Oh là là. Je me souviens encore de la première fois que j'ai croisé son regard. J'ai eu direct un coup de foudre. J'ai tout de suite su qu'elle était faite pour moi. Aujourd'hui, un mec comme moi, un petit voyou comme moi, qui réussit enfin à se marier. J'aurais jamais cru une seule fois de ma vie que j'allais me marier un jour. Moi qui ai la tête dure, moi qui fais plein de bêtises, moi qui fais plein de conneries, aujourd'hui je peux me dire enfin que j'ai réussi ma vie. J'ai ma femme, on va avoir un enfant. J'ai le gang double. Le gang double est toujours là pour moi. Ce sont des personnes qui comptent vraiment dans mon cœur. Alexandra, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. T'es mon cœur. We'll be right back.
Putain, t'es trop belle. T'es trop belle. Toi aussi, t'es magnifique. Je suis stressée. Hein. Ouais, je stresse. Ouais, monsieur Desplaces arrive. Il est. On commence pas là, oui. On commence pas. Oui, on commence pas la cérémonie sans monsieur Desplaces. Ah, il manque quelqu'un ? Oui. Ah, il arrive là. Ouais, il arrive. Il est un magnifique endroit. On sait que t'as envie de l'opinionner, mais. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Attends, Ré a amené sa copine. Il est venu avec sa copine ? Mais non, je plaisante. Je prierai à la salle de faire le silence, s'il vous plaît, merci. Donc, nous sommes réunis en ce jour pour unir ce jeune couple. Monsieur David Flash et Madame Alexandra Satan. Monsieur David Flash, consentez-vous à prendre pour époux Madame Alexandra Satan, qui se présente. Mais oui, bien sûr. Madame Alexandra Satan, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur David Flash, qui se présente. Oui, j'accepte. Bien. Oh, c'est beau. Par les pouvoirs qui m'ont sont conférés, je vous déclare mari et femme. Attendez, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, le gros rouleau qui veut qu'il tire quelque chose, vas-y. Écoutez-moi, je m'oppose à cette union. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as dit quoi? Répète là, j'ai pas entendu. T'as dit quoi, Alexandra là? J'aimerais prendre pour époux ta femme, c'est compris? Non, mais moi je veux pas, moi. T'es un gros malade. Je l'emmerde. Fais-moi un bisou. Un problème. Je veux pas, non? Ça va pas. Ah, merci. Allez hop. Bien fait. Non, mais merci. Ça va pas, il est malade. Un joli robe, Alexandra. Ah, merci. Ouais, elle est ravissante, hein. Elle est très très ravissante. Lara? Ah, c'est. Un joli costume aussi, David, hein, franchement. Merci. Vous avez choisi la bonne. Ah, ça va, c'est bon. Moi, j'arrive pas à croire qu'il y a. Bon. Non, mais là, j'arrive pas à croire que vous avez fait ramener mon grand pote là, d'enfance là, Jean Ledge. Ah, je vous remercie. Ah, bah, moi, j'ai reçu l'invitation, je suis venu, hein. Oh ! Excuse-moi. Nickel. Angel, la belle-zine. Elle est longue. Et tu passes à l'avant, Ah putain, c'est un truc de malade. C'est magnifique. C'est vraiment le pantalon. Bon voilà, on est mariés. Bon, je réalise pas. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On réalise pas. Ça. Ouais, ça passe tellement vite, tu sais, hein, ça fait des malades. Puis bientôt, il y a Thibaut qui sera là avec nous. Ouais, en plus, voilà, ouais, on attend un enfant et tout, c'est un truc de malade. Oh, il veut bien être l'oncle, hein, s'il faut, hein, pas de soucis. Avec moi, il aura une bonne éducation. Il était éducateur à l'époque, hein, en Espagne. Ouais, ouais mais là, on va réfléchir avec David. Dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Non, il va pas te comprendre, voilà. Ah nous voilà arrivés. Là, il y a du monde. Ah, merci à tous d'être venus, merci. De rien, merci beaucoup. Bah, du coup, normalement, il y aura un bateau qui va venir nous chercher pour aller sur le yacht, là, vous voyez. Avec monsieur Paroli, hein, c'est monsieur Paroli qui a tout organisé pour ça. Donc, il devrait arriver d'une seconde à l'autre. Attendez, j'appelle le petit bateau d'équipage, là. D'accord. Ah, c'était un bien beau bordel ce cortège, ça m'a fait bien plaisir. C'était pas mal. C'est toujours comme ça. C'était bon, ça c'est bien marré quoi. Mais ouais. Attends, je vais voir un petit coup là. Ouais, Ré, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me le présentes pas? Ah bah si, tiens. C'est elle que tu me parles tout le temps là? Oui, c'est elle, ouais. Bonjour. Lara. Donc, Lara, voici David, un ami. Et David, voici Lara. J'espère ma future femme. Hein. Voilà. Ah! On croise les doigts. Ça fait plaisir. Bon, ben, enchanté, madame. Madame. Aussi, hein. Madame Lara. Non, mademoiselle. Attention, marchez pas dessus, il y a un corbeau. À bientôt, ça sera Lara des fesses. Non, j'ai. Ouais. C'est vrai que c'est ta copine alors, Ray. Oui, voilà, bah tiens,
Alexandra, je te présente Lara, ici. Et enchanté. Lara, je te présente Alexandra, qui vient de se marier avec David. Bah, enchanté. De toute façon, on aura l'occasion de faire connaissance sur le bateau, là, le yacht, là, il est arrivé, là. Le petit bateau qui est arrivé, les amis, le petit bateau est arrivé, on y va. Ah ouais, le petit bateau, ouais. Ah, tu gères, Paoli, tu gères, putain. Toi, je t'en voudrais, ça, t'inquiète. Ah, c'est avec plaisir, votre petit David. Oh, bon bateau, quand même. Ah, Alexandra, tu viens avec moi. Ah, mettez-vous, David. Ah, ici. À côté de Tommy. C'est toujours Tommy, le chauffeur. Ah, Alexandra, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh putain, Alexandra, je vois ta culotte là. Oh là, attends, je vais me retourner. Oh là là. Et j'espère que tu t'as hein. Parce que si ça te Ah, what the fuck. Alexandra, un peu de tenue, s'il te plaît. C'est pas de ma faute. Ouais, c'est pas grave. Oh non. Merci. C'est magnifique. Tout ça pour nous, hein, vous êtes gentils. Hein. Regarde-moi ça, Alexandra, comme je te disais tout le temps. C'est pas aussi magnifique que toi, Alexandra. C'est pas aussi magnifique que toi. Oh, j'aime tellement des amis, c'est trop beau. Moi aussi, je t'aime. Ne vous inquiétez pas, la lune de miel, ça va arriver. Retenez-vous juste 20 minutes. Merci. Ouais, y'a pas de soucis, John Ledge, t'inquiète. Elles sont super marquées. Non, ça va, t'inquiète pas. Allez, Ré, ça va, tu t'amuses bien? Tu t'amuses bien, Ré? Ouais. Ah ouais, regarde. Je suis en train de faire rigoler ma chérie, attends, regarde. Dans l'air, c'est un tic-tic. Attention, y'a un bateau! Votez à l'étage, les amis! Bon, papa, j'ai pris une serviette pour Madame Sache, hein. Mais non. Oh putain, j'ai bien bouffé autre part. Tout c'est la chanson net. Faites un petit peu, voilà, faites la fête un peu, les gars. Allez, là, bougez, faites la fête, là! Ah, regardez-moi ça, il est encore trop bu, il est en train de dégueuler par terre. Je vais boire un petit peu là, du dos là. Il va reculer. As-tu mal? Ouais, ben voilà, en tout cas, qu'est-ce que t'es devenu sinon? Putain, ça me fait plaisir, je m'attendais vraiment pas à te voir là. Qu'est-ce que tu deviens? Bah, tu vois là où s'arrête le soleil, tu vois là? Ouais. Et bien, tout ça, c'est mon royaume, tu vois. Ah ouais. Ouais, j'ai racheté le parc d'attraction de Santos. D'accord. Bah écoute, je te présente Guimode. Je te demande pas trop. Oh là, attends, Ray de Fesse m'a envoyé un message, est-ce que je suis prêt pour mon cadeau là? Apparemment il y a un cadeau pour moi là, qu'est-ce qui se passe là? Apparemment il y a un cadeau pour moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, attends. Ah, pas au courant. C'est la surprise. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je dis. Eh, qu'est-ce que vous avez fait? Fallait pas faire de folie, hein. Attends, je dis oui. Fallait pas te faire. Elle a fait une belle fête. Eh, gars, vous êtes... toute la soirée. Ouais, je me suis bien amusé. Ouais. Je tiens encore à vous remercier. Je tiens vraiment à vous remercier à toutes les personnes qui sont venues, voilà. David Tommy, oh, je sais pas. Oh, c'est quoi ça? Regardez. Oh la vache, poussez-vous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, attention, mettez-vous vers les tables. Attends, faites une petite place là, venez ici. Poussez-vous.
Oh, wow, oh non, wow, 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 putain. Wow. Oh la vache. Oh allez, putain, mais... Oh, allez, non, allez, non, vous avez pas osé. Oh non, mais je rêve. Oh les gars. Putain, mais je rêve. Ça, c'est de la voiture. Ah, bravo, Rich. Mais c'est qui? Mais qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Vous êtes des malades. C'est pas moi, pour le coup, c'est pas moi. Je promets que attends, c'est pas petit, moi. Logo jaune, là. Eh, j'aime bien ce petit clown, là, là. Oh, là. Ouais, il est pas c'est mal. Bien. Attends, attends. Oh. C'est ton cadeau hein, de tout le groupe. Hein. C'est de la part du gang Dubaï. Ça va. Ouais, exactement. Ouais. L'espace. Ah, c'est bon, c'est... Ah putain, le chinois. Elle est magnifique. C'est le roi. Ah, je vais regarder, je vais regarder. Ah, ouais. Toi aussi, t'as pris du rock. Pardon. Ça monte au cerveau. Quel joli moteur. Ouais. Putain, mais on va tout défoncer avec ça. Là, les flics, ils pourront rien faire. On du rock maintenant. C'est une petite curie de ouais, on est tous, en fait, on est tous collés droit, comme une bonne paire de couilles. C'est écrit, ouais, regardez, qu'est-ce que c'est écrit. On m'a dit qu'elle allait sur l'eau apparemment, mais... Bah, c'est pas au l'eau, il y a... Ouais, ouais. Non, je le ferai pas. On est tous collés comme une bonne paire. Tu peux croire mes sources. Hein. Bon, bah écoutez, je vais vous faire un petit discours là. Votre attention, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, si vous pouvez. Bah écoutez, déjà, je vous remercie à tous d'être là. Et je remercie... le gang Double pour ce magnifique cadeau. Et après, je remercie franchement chacun d'entre vous, Tommy, Doumé, Redefes, Guimod, il y a même mon ancien pote qui vient de... Enfin, mon pote d'enfance, là, très grand pote, Jean Lech qui est revenu sur l'île, ah, Angel, Dani, toutes les personnes qui sont, quoi, sont là, merci à vous tous. Franchement, ça me touche et voilà, restez comme vous êtes. Et, c'est normal, mon pote. Et surtout... Et surtout, je remercie Alexandra d'être dans ma vie, d'être venue dans ma vie. Et je l'aime plus que tout. Et je tiens à vous préciser que pour les personnes qui ne sont pas au courant, je vais avoir un enfant avec Alexandra. On va avoir un enfant. Donc voilà. Et ça va être un garçon. Ça va être un garçon. C'est la relève. Vous ne savez pas encore. Hein. Si, ça va être un garçon, moi je vous dis. Merci. Bravo, bravo. Merci à toi. On verra ça. Et moi aussi, je t'aime très fort et je suis heureuse de faire partie de ta vie. Ah, merci. Oh, je suis trop mignon. Vive les mariés. Je pense que le prochain mariage, ça sera Ray des Fesses et la Ratatouille, je souhaite. Je le souhaite vraiment. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est merci à tous d'être venus pour notre mariage. Merci à Redefes d'avoir fait ce super cadeau à David parce que la voiture est vraiment magnifique. Vous me connaissez pas, bon la plupart ne me connaissent pas ou commencent à me connaître. Vous êtes une super équipe, ne changez pas. Et je voulais surtout remercier à mon chéri d'être là et merci d'être dans ma vie. Et bientôt au petit bonhomme ou petite fille qui va naître. Non, ça sera un garçon, t'inquiète pas. Merci. Ah, putain, je suis heureux. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est étonnant, franchement, c'est génial. Ouais. Bon, allez, Tommy. Tu veux faire un discours ? Tommy. Tommy. Aïe. Il a trop bu. T'as fini, t'as passé ton tour. Allez, on t'écoute. Allez, Tommy. Oh, merci déjà de m'écouter, hein, ça me fait plaisir. Donc, voilà, je voulais tout simplement... Vous dire que bah, depuis que j'ai rencontré le gang Dubai, ma vie a complètement changé. Et je suis super content de t'avoir connu, David, Guy, Ray, notre gang, c'est tout ce qui compte pour moi. Je m'en fous du reste et je serai toujours à vos côtés quoi qu'il arrive. Et je suis super content pour toi, David, que tu vas voir un petit hombre, un petit nino. C'est super cool et j'espère que, bah, que qu'il aura une bonne éducation et une bonne vida. Voilà, c'est tout. Merci, merci. Ouais. Aussi heureux pour vous. Ça, c'est un caïd, ça, magnifique. Ah, caïd, voilà, voilà. On t'aime, Tommy, on t'aime. Moi aussi, je vous aime. Guy, tu me dois bien ça, c'est le jour de mon mariage. Là, t'es mon témoin, Guy. Un discours. Allez, voilà, silence, il va le dire. Ah, désolé, je suis pas très très fort pour les discours. Là, ça me gêne un peu d'être devant vous, là, comme ça, mais bon, on va la faire courte. Hein. Je suis très content d'avoir connu le gang Dubal.
comme dit mon ami Tommy, ça change la vie. Je sais pas jusqu'où on va aller comme ça, hein. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on est tous collés comme une bonne paire de couilles. Et ça, en tout cas, ça fait très plaisir, en tout cas. Voilà, après, bon courage pour le mini flash. Bravo! Ouais! Ouais! Putain, Guy, on t'aime, Guy, on t'aime. Donc là, tout le monde ici, là, hein. Eh ben écoutez, je tenais à vous remercier pour le gang double, pour David et puis pour sa chérie. Et puis pour le fils, hein, tout ça, et j'ai passé une bonne soirée, et je suis content de vous connaître, et je vous remercie beaucoup, en tout cas, c'est vraiment... là, on est une famille, hein, franchement, on est une famille. Merci à toi, merci, ouais. merci. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est, hein ? Quand même, bonne paire de couilles ! Ouais, bravo ! Comme une paire de couilles ! Bravo ! Jean Letch, c'est un nouveau, il vient d'arriver dans la ville, c'est mon pote d'enfance, il va vous dire à vous. Je suis super content d'avoir assisté à ce mariage. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu David Flash et j'avais en moi une grande curiosité concernant sa femme. J'avais peur qu'il se marie avec une kikou, voilà, dégueulasse. Et finalement, je vois que c'est une femme vraiment faite pour lui. Et je lui souhaite d'avoir un beau petit garçon à son image. Voilà, merci à tous. Bravo. Gars, je reviens. Il y a mon téléphone qui sonne, je reviens. Ouais, ça va. D'accord. Ça, c'est l'excuse qui sort pour aller aux toilettes en scred. Non, allez, tout. Allô, David Flash. Oui. Tu es du gang de gang double. Oui, c'est moi, David Flash du gang double. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Eh bien, bientôt, il n'y aura plus de gang double parce que le gang spinner va prendre votre place. Comment ça, le gang spinner? Qui êtes-vous? Ah, vous le saurez bientôt, on va bientôt se rencontrer. Et on va détruire le gang double. Et il n'y aura plus de gang double, ça sera le gang spinner. Ta gueule. Non, y a pas ta gueule, tu verras bien. Je vais raccrocher, allez, bye. Voilà. Putain, c'était qui ce mec? Putain. Tommy? Ça va, moi? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il va pas bien. Ah bon. On y va, c'est ouais. Bon, bah c'est bon. Ouais. Merci à vous tous d'être venus en tout cas, et merci pour le cadeau et je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Merci pour la voiture. Merci. Bravo pour l'enfant. Félicitations, marié. Tu peux rentrer. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Waouh, il y a vraiment toute option dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Attends. Bah oui, il faut rentrer, faire le bébé, là, attendez-moi. Ça y est. Ah, je suis un peu bourré, excuse-moi, là. Oh. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, David, qu'est-ce entre nous. Qu'est-ce qui se passe, David? C'est bizarre, là, ton petit marché, là, c'est qui t'a appelé? Y'a que nous que tu appelles, y'a que nous, bah, y'a que... Les gars, ne vous inquiétez pas, profitez. Voilà, ne vous inquiétez pas, y'a rien. C'est un petit gamin qui, tu sais, les gamins qui aiment appeler, là. Les gamins qui appellent, qui fait des canulars là, vous inquiétez pas, y'a rien. Canulars, d'accord. T'es sûr, t'inquiète pas, c'était une blague. Tu dois tout me dire, je suis ta femme, hein. Ouais, bah y'a rien. Ah, y'a pas de soucis, okay. Allez, on y va. Okay. D'accord. Allez, Alexandra, on y va. On rentre avec notre nouvelle voiture. Allez, ouais, c'est parti. Bon, mes amis, je vais y aller avec ma nouvelle voiture avec ma femme. Au revoir. Préparez-vous, attachez votre ceinture, la saison 3 du Gang Double arrivera très très bientôt. Montrez-moi que vous êtes chaud, montrez-moi que vous voulez cette saison, cette nouvelle saison. Voici un petit avant-goût de ce qui va se passer dans la saison 3.
Mais personne ne touchera au gang Double. Vous avez cru quoi? Parce que je suis marié que je vais arrêter mes conneries? Ça risque pas. Bien au contraire. Marié ou pas marié, comme je le dis toujours, le gang Double coule dans mes veines. Les personnes qui oseront toucher à un membre du gang Double aura affaire à moi en personne. David Flash, longue vie au gang Double.